voir. J'ai cru que t'allais pas venir à ta garde. Pas venir à ma garde? Et que j'allais... Tu plaisantes? C'est ma première garde ici. C'est juste qu'il n'y a pas d'oublier. C'est ta première garde? Pourquoi tu te contentes pas de tes gardes à HEH? Ah, le fric, le mois dernier, j'ai dû rembourser le DECT de G qui était tombé en panne. Ce mois-ci, c'est le scanner de G qui est tombé en panne parce que Franck Pilleul a fait trop d'interventionnels. Alors, je multiplie les tours de garde. Bon, comment ça se passe? C'est là-dedans que t'as dormi? Écoute, ouais, j'ai cherché ma chambre de garde partout. Impossible de la trouver. C'est l'endroit le plus chaud que j'ai trouvé. Bon, par contre, je peux te passer tout le matos de... Ouais, ouais. Petit Dino. Dino? Ouais, il est très bien utile dans les moments difficiles. Il t'apporte beaucoup de réconfort. Ok. La patinette. Patinette? Tu peux en avoir besoin. Ok. Les magnétophones. Un magnétophone? Tu verras. Et... principal. Le DECT de garde. Allez, force et honneur. Merci Mimi, je vais en avoir besoin. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Ouais. Ah, je peux pas là. Non, je suis en pleine. Ouais, t'entends, ouais. Je suis en pleine écho là. Ah, c'est un peu la bourre. C'est un peu la bourre, ouais. Bah. Je te rappelle, hein, dès que je suis un peu dispo, je te rappelle. Ok, on fait comme ça. Putain, faut que je m'entraîne, hein. La clinique du parc, le prix de l'info, les couilles en or, le golf toute la journée. Ah, ça va être bon, ça va être bon! Ouais, allô, j'écoute. Une désinvagination? Ok, j'arrive. Fini les conneries. Allez, mon petit poussin, ça va. Ouais, j'arrive. Yeah. Fatigant? Pas là, monsieur. Ouais, attends la radio. L'échographie. Le petit de Fernando, ouais, la tension de l'ovaire. Il est là? Bah, je suis à côté du box, j'arrive. Ouais. Merde, j'ai oublié Dino. Il n'y a pas de gel d'échographie ici. Je... Oh merde, la demande. Je l'ai laissé là-bas. Ouais. Des poumons, ça, hein. Ça, c'est des poumons. Merde. Attends, dans la radio, j'écoute. Allô, c'est l'interne de chirurgie de garde. Je t'appelle pour un petit garçon qui a des douleurs abdominales, qui est un peu bizarre. Je demande si c'est pas un appendicite ou une torsion de l'ovaire. Ouais.
Et écoute, j'en sais rien, moi. Mon petit loulou, c'est pas que je veux pas faire ton examen, mais là, j'ai pas bien le temps. J'ai des interprétations dans tous les sens. Est-ce que tu peux me rappeler d'ici une heure, le temps que je boucle tout ça, et puis on en discute, hein? Ah, bon, bah, je te rappelle, tu me rappelles alors. Ouais, je te rappelle, dans une heure, ok? Allez, bisous Fernando. Salut, salut à toi. Ça va y aller, ça va y aller. Les gonzesses, la Ferrari. On va s'en mettre plein les fouilles. Un petit bébé. Réanimatrice de garde. Qu'est-ce que c'est ce bordel? À tout à l'heure, mon petit bijou. L'interne de garde, écoute. Bonsoir, c'est la réanimation. Nathalie Richard, vous vous avancez en déchaquage niveau 15. Un enfant de 3 ans qui s'est battu avec un ours en peluche. Il arrive dans... En fait, il est déjà là! On attend tous au scan! Dépêchez-vous, mortel! J'arrive. Putain, le chef. Allô, ouais, l'interne de garde à l'appareil. Je t'appelle parce qu'on a un déchocage qui arrive. Ah, ok, j'arrive. Non, c'est vrai, t'arrives? Non, je déconne. Mais sache que je te fais confiance. Enfin, démerde-toi. Le chef me fait confiance. Il est où ton chef? C'est qui ton chef de France ce soir? Merci.